hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsweek, politician, teachers, lecturers. Bonjour, c'est Guillaume Bourgeois. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre sur les tutos. Je vais vous faire un petit tuto sur comment réaliser et enchaîner plusieurs pompes Flying Superman sur le dos des mains, donc c'est celle-ci. Comment en enchaîner, être capable d'en enchaîner plusieurs en évitant de se blesser. C'est celle-ci. Donc, comment les étapes à respecter pour réaliser cette pompe et être capable de l'enchaîner en évitant de se blesser. Je vais vous montrer les étapes. Alors déjà, toujours commencer chaque séance en échauffant bien les poignets. Priorité, bien chauffer les poignets. Dans les deux sens. Échauffer un peu les doigts aussi. Les doigts des mains, pour chauffer un peu les mains. Échauffer les coudes. Et échauffer les épaules. C'est les quatre articulations clés qu'on retrouve dans beaucoup de styles de pompe. Il faut bien échauffer. Alors le premier exercice, exercice le plus simple, que le plus facile, mais qu'on peut utiliser pour s'échauffer pour chaque séance sur le dos des mains, c'est simplement le statique. Vous vous mettez sur le dos des mains, vous vous mettez en position et vous tenez. Progressivement, vous augmentez les temps de plus en plus longtemps. Une fois que vous êtes à l'aise comme ça, au fur et à mesure des séances, vous passez à l'exercice de difficulté suivante, bah, qui va être simplement les pompes sur le dos des mains. Vous n'êtes pas obligé de tendre jusqu'en haut, parce que tendre, ça fait vraiment une grosse pression sur le poignet. Vous pouvez vous arrêter ici. Descendez à peu près les bras à 90 degrés. Dès que vous vous sentez à l'aise sur cet exercice, vous pouvez passer à l'exercice suivant. Vous allez prendre simplement quelques impulsions, seulement au niveau des bras. Donc des pompes classiques dos des mains, mais avec une petite impulsion. Une fois que vous êtes à l'aise sur cet exercice-là, l'exercice au-dessus, c'est le même, sauf qu'on décolle aussi les jambes, les pieds. Vous pouvez écarter un peu les pieds, ce qui vous donnera des appuis plus stables. Vous décollez les mains et les pieds. Toujours à peu près 90 degrés au niveau des coudes. Une fois que vous êtes à l'aise sur cet exercice, l'exercice au-dessus, on va faire avec les bras, pas une flying superman complète où on va chercher la parallèle, mais là vous allez vous arrêter aux trois quarts à peu près du mouvement. Vous allez faire à peu près trois quarts de l'amplitude. Et seulement avec les bras. Donc position, dos des mains, les jambes légèrement écartées. Tac, vous descendez 90 degrés. Et vous allez aller chercher les trois quarts de l'amplitude. Une fois que là vous êtes à l'aise, c'est la même chose en décollant les pieds. Donc trois quarts d'amplitude. Et une fois que cet exercice-là, vous l'avez acquis, vous arrivez à enchaîner. Là, on passe à la fameuse pompe Flying Superman sur le dos des mains. Amplitude complète, c'est-à-dire on va chercher la parallèle entre le bras, l'alignement entre le bras et le corps et les jambes qui décollent. Donc voilà, la Flying Superman dos des mains, les étapes à respecter et la flying pour avoir la Flying Superman sur le dos des mains. Donc voilà, à bientôt pour un prochain tuto et bon training.